que tu veux passer? Passe bien, passe bien. Plus tu stands, faut qu'on en saute. Ce que tu veux passer, tu passes de toi. Ok, c'est bon. Ok, ça va. Mais regarde comme. Non! Comme tu dis là. And that is the kickoff of the second half of this encounter. The boys of Cotton Store open scores during the first half. And this time around, it is at the advantage of the boys of Avion FC. 2 for Avion. And 1 for the boys of Cotton Store of Garoua. The first goal for Avion was scored by Zambo Anoa by Mone, and Zambo scored the second goal. A good encounter. That one is going to be a true in advantage of the Cotton Sport of Garoua. We're going to see what our coach Ebole Nzinge Beteng is going to change or do some adjustment to see or to bring some changes in his team. Cotton Sport of Garoua, Moussa Kalamu, 28-3, like this all the time in the world. He looks for goal from Jodong. Jodong trying to look for Sali Umaru, not for too long. Erume, Kaza one advantage for Omosola. Omosola, 20, chance to look for the big attacker. They call him Kamilu Dauda. Fall on the number 28, Munde Bea Ndom. A good encounter, Mr. Kevin. L'occasion a repoussé le ballon et Kamilu Dauda, en un vrai renard, n'a fait que repousser le ballon au fond des filets. Cotton Sport 2, Avion du Camp 2. Kamilu Dauda, that is already the big guy. He has started the show. I remember when we were in Yaoundé, one journalist talked to Kamilu Dauda. And I'm sure this year you are going to score 25 goals. One journalist asked Kamilu, then I'm sure this year you are going to score 25 goals. And I'm sure Angulesi was also there. And Kamilu Dada is back. The big boy, the oldest boy, the dangerous, the most dangerous boy so far as Cotton Sport is concerned.
Kamilu Dauda, the showmaker. Musa Kalamu, there's a long one up front that you look for. Who again? Kamilu Dauda. What's going to happen? Seiseko. Seiseko. It's for the time. Kamilu Dauda. What's going to happen there? Edu Mekleza one. A good encounter. Musa Kalamu. Seiseko. Seiseko. Musa Kalamu. Sali Umaru. Seiseko. What is going to do? That one is going to go out of the field of play for true in advantage of Abiel FC of Cam. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, and we'll say good afternoon to Coach Aisi, that is having a special week this year, this week with the coaches. He's doing a good job this week so far as the coaches are concerned. Coach IEC, good afternoon and welcome to Camp One TV. Thank you. Hello, Coach IEC. What is the program this day? We've seen many more than 20 young coaches that have been working with you at the Middle Farms Stadium. What is on? What is happening? Yes, yeah, we are having a formation for coaches and investors in Cameroon. So we have had coaches that are coming from all over the country to participate in this course. And it's a license B general course that you obtain a license B diploma, which will permit them to attend in the regional championship. Okay, it is only for coaches from Litoral and Southwest, or only Southwest? It is for coaches all over the country. So when opportunities come like this, we do send information all over in all the 10 regions of the country for those interested and those qualified to come and take part. Because courses like this early comes. So when it comes, we invite them to come and take advantage and go in for this course to obtain the coaching diploma. So how many of them are there for this special information? As of now, we are counting over getting to 25 participants. Thanks very much. You're welcome. That was Coach Aisi. Mr. Kalini, for example. Do you have a quick question for Coach Aisi? Can you say start for Coach Aisi? Let's start the preview for you, Semen. Okay, merci, Coach. Bonne chance à vous. Et merci. Okay. Pour cette match en retard comptant pour la première journée de Ligue 1, opposant Coton Sport à Avion du Camp, c'est de belles. C'est un très grand engagement que nous assistons ici au stade Central Studio. Et les deux équipes, chacun a envie de rentrer avec ses trois points. Chacun a envie de rentrer avec ses trois points. On a vu tout à l'heure Aboubakar, Kamilu Dauda gérer son doublé. Vous m'avez fait comprendre. Les années antérieures, il disait qu'il pouvait marquer 25 buts avant la fin de la saison. Je dirais aussi également, dimanche passé à Nguémé Omnisport, on a eu un certain Banda Junior qui a signé également le doublé contre New Star. Il nous a fait comprendre qu'en Ligue régionale, il avait signé 8 buts et il compte doubler et son score à 16 buts. Donc cela veut dire que de part et d'autre, les avants ont envie, ils ont envie de se mettre en orbite. Vous savez, ça fait longtemps au Cameroun, on a plus des avants. On aimerait vraiment qu'à chaque rencontre, on ait de ces buts marqués par des avants. Il y a des avancées, mais il n'y a pas de buteur. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Ce que vous avez buteur, ce que les coachs appellent généralement les joueurs tueurs, ceux qui, à tout moment, quand l'équipe est face au corps, essaient de sortir l'équipe de la position dont ils n'espéraient pas. Revenons sur l'air de jeu. Le match est momentanément arrêté. C'est un coup fort au profit de Coton Sport. Il y a un joueur de Coton qui se trouve au sol. Plus de 3 coups de mal, il se relève avec l'assistance de. Un joueur de Coton Sport, il se relève finalement sur les soins médicaux. Il s'est mis debout. On espère qu'il va entrer une fois de plus dans ce match. C'est le numéro 22 à Boubacar. The 74 is called Bayegi. Bayegi, General Donald, Bayegi, center midfielder, defensive midfielder. He has been playing for Coton Sport. He has played all the encounters so far as Coton Sport in this football season. All the 6 matches of the Continental
competition, and he's first again on the pitch. But look, we have many of them that have played the continental or the continental encounters. When I look around at the defense line, only Itabawa played the continental matches at the defense line. And when we go to the midfield, Bayege was there, Seko was there. We go to the attack line, only Kamilu played the matches. So you just a little know that Kotong have many players, and at any time they can change that team, at any time they can change the squad and bring in new players. We have players like Emeka Mangolo, that is not there today. We have somebody like Elimbi Ebimbe, that is not there today. We have somebody like many people that we know that have been doing a good job, like Andrew Sesh, that is not there this afternoon. We have, just to name a few, there are many, 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 Buba Kasali, all of them that have been playing the competition. Zambo, Okota, one goes up. Oh my God! That was another chance there for Kotosport. Omosola, chicken with fire. Omosola, get serious. Omosola, not all that vigilant. Believe me, when you play in an encounter of this nature, you have to be very, very, and I believe me, extremely vigilant. It can have taken a long time for the defensive attack line. They have been stopped there. The head player or the captain for the side coming down there. He looks for Seko. Seko. Seko takes all the time. He's going to play with who? Go Sanili. And it's going to be a picking advantage for the Kotospor. Kotospor are back. Kotospor are back. And they are serious, Mr. Kevin. That's it, right? You need to tell me about that. C'est là tout à l'heure de l'importance. Là, il gagne les courses pour remonter le score. Nous prenons tout ça, il s'est buté forcément par Seko ou Etabawa. Nous voyons quand même deux. Moi, je ne peux pas compter par quatre points. Finalement, Etabawa s'est retiré. J'espère que ce n'est pas qui sera exécuté forcément par Seko, qui est fait. C'est à l'heure du camp, au niveau du lancer, ça essaie de monter l'offensive. Ils sont dans le camp de Cotensport, qu'est-ce qu'il fait? Un bon ballon, non? Ouvre, au profit de Cotensport, dans ses 18 mètres. Forcément, c'est Bobo Sola qui va exécuter ce coup franc. Bobo Sola qui va exécuter ce coup franc. Un long ballon qui traverse la médaille. Notamment dans le camp d'avant le temps, c'est Bic Babikele, Zambo qui essaie de combiner, pas pour longtemps, Itabawa, trouve un partenaire bien marqué, va-t-il passer, oui, trouve un Seko, récupéré par Bikele qui remonte à l'avion du camp, nous allons sortir, c'est un coup de l'avion du camp, pour faire sortir l'avion du camp, Aboubakar, le match en balle. Tous les deux équipes en veulent. Chacun veut prendre le dossier. C'est Coton, par l'intermédiaire de Sibiri. Il a vidé un 2. Pas plus longtemps, à l'avion du camp. Par l'intermédiaire de Bordeaux. Vous prenez profit de l'avion du camp. Vous prenez profit de l'avion du camp. Provoqué par Mbonde. Carton Jean adressé à Moussa. Assali Umaru. Assali Umaru.
parce que nous sommes en train de la partie. En placement, le vincent numéro 1 de Antoine Sport qui fait tourner. Nous jouons exactement à la 14e minute, la 15e minute de cette deuxième partie. Nous ferons dans le camp d'avion du camp. Ce sera forcément ici qui nous fera. Le vincent numéro 1. They call him Mr. Kamilu Dauda, the most powerful, the he most. You can pass your ability. 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 You the most poisonous, the most dangerous, the most tactical, the most powerful attacker or striker. A chance again, and another chance for the boss of Cotton Sport of Cameroon. Oh God, what? 20. But it's continuing just for the time in the world. Oh God, I will say Steko. Steko, and it's going to be a 2-minute advantage. The boss of Avion FC of Vancam. Throwing advantage. The boss of Cotton Sport. Steko, it's about what test control of that one. It takes all the time in the world. Itabawak, the most one of the strongest defensive left back. Time they call him a Balingwal boy because he plays defensive left back and defensive right back. It's not every day that we have players of that nature. Oh, players of that caliber. Ifege, let's go Japan. With Musa Kalamu. Ifege. Okay, I got your goal. And no problem for the boys of Autosport of Ghana. Autosport, Moussa Kalamu. Let's continue. It's a goal for Sibiri, that is all the time. He looks for Seko. Dauda Kamilu, try to control that one and it's going to be a throw-in. Cotton is back. Cotton are back on the pitch after a very poor or bad 20 last minute so far as the first half was. Mr. Kamilu, Cotton again et tout. Effectivement, Cotton de retour, mais il ne faut pas manquer de signaler ce joueur de fin de. C'est un chevaucheur sur les 30 mètres du flanc gauche. Il a essayé juste d'apparaître la défense de Cotton, mais le temps du final lui a manqué. Et cela, on a vu Cotton, pas les choses. Chose est bon.
Seko, c'est Seko sur Baba. Le mise en jeu, le profil à venir du camp. Irobe, Jeki, Tombe, qui coalise sur Fabio, attention. Aïe, 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 on est sur Revenons sur le stade, autant score. Sur tir. Pas pour longtemps, balle perdue. Adjoint du temps. Qui sur Irumé. Irumé, va-t-il trouver Samba? Non. Ballon, je viens à la hache. Et c'est un défenseur de autant score qui s'est ressaisi. Comment cela qui perd un dégagement dans le camp de Adjoint du temps, directement sur son partenaire. C'est content, c'est content. Oui, effectivement. Si, ah, la défense est là, du Sibiri, le new recruited player of Cotton Sport, coming all the way from Aïs de Bojola too. They call him Anno Sano Sibiri from Aïs de Bojola too of Burkina Faso. Merci pour la présence de combattants. Sibiri qui va effectuer ce corner. On est en temps pour nous, on est en temps pour nous. C'est un corner. Long ballon. L'avion du temps. Qui sera effectué par Moussa Kalambo. Tu qui suis Tchente, va-t-il changer de côté? Oui, remis sur Jordan, certainement un long ballon, non, pas pour longtemps. Amène sur Moussa Kalambo. Moussa Kalambo qui cherche. Autant et menaçant. Voyons nous faire par bien, par les témoins des cobons. Pour faire le profil de ce deux. Pour faire la bataille de feu, qui sera exécuté par son défenseur. Un long ballon forcément. Deux de nos gardiens, ils font un statut. Juste pour combien de pelleurs, votre main, Zogé a fait 9 passes la saison écoulée comme gardien, 9 passes de but avec un but marqué. Donc, c'est Iguita d'Avion Duncan. C'est Iguita d'Avion Duncan. C'est ceux qui font comprendre que jouer au bord de pas forcément jouer avec la main. On peut toujours jouer du champ. Attention, c'est une erreur. C'est une petite erreur. Dans le cabine, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sur lui-même. Mais le ballon au but contre ce bâton adversaire. Ça, c'est dangereux. Très dangereux, surtout pour la défense. Le défenseur d'Avion Duncan. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Je pense qu'ils feront mieux. Je veux que tout concentré. Parce qu'un bon bout de temps, ça flotte. Ça flotte dans la défense d'Avion Duncan. Bat dans le 150. Qui sera exécuté par le gardien de l'emplacement. Donc, ça nous. Au profit de 10, le 7 c'est Sibiri, je crois. Salut Oumarou, qui laisse le champ. Aboubakar Konaté. Monsieur Konaté, va de 5 mètres, au centre. Allons, Médiane. J'ai la tête d'un joueur de l'avion du camp, pas pour longtemps, c'est coton.
au camp, pas pour longtemps également. Dans ce jour, tu es à Lyon du camp. À Lyon du camp, ballon récupéré par Coton. Il tend pour nous surtout sur Sibiri. Sibiri qui le remercie. Pas pour longtemps. C'est Bikele. Bikele qui essaie de former chez Yumé. Yumé, à Lyon du camp. Bien joué. Au niveau de rang central. On traverse la médiane. Un homme. Pour qui? Pour le gardien de Coton Sport. Le gardien de Coton Sport, qu'est-ce qu'il fait? Il relance le bondé. Bondé sur Sibiri. Petit Griffin. Trouve. Son partenaire bien marqué. Coton Sport 2. Adjon du camp 2. Abubakar. Thank you very much. Still one or two for the two teams. Ladies and gentlemen, if you are just joining us, we are live from the Limbe Sectional Stadium. And this is MTN 81, the first division, the professional championship of Cameroon. And we are proud to be part of this show. The championship is back. We were down for some months without championship. I know we are always proud when the championship is back because this is our own pleasure. This is our own place to be. 20. 20, Bayegi. Bayegi for Coton Sport. Bayegi, it takes all the time in the hand. No problem for Omosola. Omosola, very vigilant. Omosola, very powerful. Dawda Kamilou. Dawda Kamilou, the big boy. Dawda Kamilou, that was the Dumbe Michel. Lipap, Abdou. Lipap Abdou, Zambo. Zambo, Erume. Erume with the ball. Erume, trying to look for who? For Mone. Offside. Mone was offside. Mone was offside. And no problem for Omosola. Simon Loti, Omosola. Sibiri, Tabawak, Tatilou for Seko, Tatilou for Seko. What's going to happen? And I want to send another field of play. It's going to be a 5.5 meter kick to be taken by Zoge. He takes all the time in the wall. Kamta, oh, Kamal, sorry. And there was Kamta in this team. He left. Kamta is now in Abion. Dumbe Michel, former captain of Tonek Kalara Club. He went to Young Sport. And he's back in Douala. A real Douala boy, son of the soil. Ladies and gentlemen, a good football weather. Just to let you know that Cameroon TV will be producing you all matches this year. And we invite you to be with us live on Sunday. Before the match of Sunday between the Union Sportive of Douala and New Stars of Douala, that will be here at the Centenary Stadium. On Saturday, we'll have Bambutus and Yafut. Bambutus is the most supported team so far as Cameroon football is concerned. They are going to be with us here on Saturday for their two encounter. So Saturday and Sunday we have two big encounters. Le public de Dumbe doit se régaler à Abubakar. Nous invitons le public. Le championnat est éliqué et de retour. On doit souvent avoir un temps de président à la vie. Ça chasse le stress. Le football, en tant qu'un facteur pacificateur, est un facteur médical. On s'oublie en 90 000 revenons ici à Saint-Denis Stadium. Remplacement. Le centre numéro 10. L'Adion du Camp. Qui fait son entrée ici à Saint-Denis Stadium. Sur les deux jeux, c'est l'Adion du Camp qui essaie de contrôler la balle. Ce fait que, qu'est-ce qu'il va faire? Essaie de contrôler. Obtient cependant un coup franc. Coup franc au profit d'Adion du Camp. Je vous assure,
ce garçon de Feuguen, c'est un garçon à suivre de très près dans ce championnat et Ligue 1. Coton Sport 2, Coton 2, vous savez comment ce championnat. Au stade Saint-Kilé Stadium à Dimbé, match content pour la première journée, match content pour la première journée du championnat et Ligue 1. Dimanche prochain, à Dimbé, on a assisté à un régal, un récital de colloque au stade Obispo de Nguemi. Cet après-midi, Coton et Lyon du Camp nous prouvent quand même que le championnat Elite One est de retour. Le spectacle est là. Les deux équipes se valent. Il est bien vrai, il y a certaines individualités telles que Daouda Kamilou. Daouda Kamilou, ce n'est pas un joueur présenté, mais cependant, Lyon du Camp avec son collectif essaie de poser beaucoup de problèmes à cette équipe de Coton Sport. Nous sommes effectivement dans le camp de Coton Sport. C'est Lyon du Camp qui essaie de trouver la faille. Il remet un long ballon sur Feuguen, qui met les pédales. Coton repart, c'est qu'on suit. Un long ballon, attention! Dickel intervient magistralement et c'est l'avion du camp qui repart le plus belle. La partie s'anime à Boubacar. Les bons gestes à Boubacar. C'est des matchs que nous aimerons voir tout au long de ce championnat. Avion du camp dans le camp de Coton. On aide au profit. Abido, Essido de 5m50. Ils sont plus prêts de l'action à Boubacar. Deux buts partout entre Coton. You've said it all. A good encounter. We're waiting to see who will call the day. The boys of Coton Sport, Sibiri, Yano Sibiri, Musana. Aye, that was Seko, says Seko. The most powerful boy, says Seko, that played for Union Sportive Douala. He just left some months ago to join Coton Sport. Ndoumbé Michel. Ndoumbé Michel, Monet. Ça a été le fond, Ndoumbé. Eroubé. Qu'est-ce qu'on retient? Ça a été le fond. Anoua et Timet. Le gars a juste came in. Aruna Mouni. Ndoumbé Michel. Tombe Ngombe. No problem. Avion will play. Juke will fire. Coton Sport will play with Coton Sport. You have to be very vigilant because they can score at any time. They have a lot of experience. They can score at any time. Aruna. Tombe Ngombe. A chance. For Vege. The Tabarak. Vege. Not for the master. The Tabarak, the master. The Tabarak. Full of talent, Etabawak, talented, another replacement this time around, still for Adion, chef number 5 leading the pitch, Mune, Eme, the guy that scored the second goal, and chef number 25 is going in, Koyma Mbappe, Alfred, former player of Aston Douala, former player of Europa Sportivo Douala. Mbappé qui fait son entrée. Peut-être fera-t-il comme Kylian Mbappé. Oui. Fera-t-il comme Kylian Mbappé, on ne sait pas. Attendons voir. Revenons sur le jeu. C'est Coton Sport qui repart depuis bien. Un long ballon dans le fond du camp. Pas pour l'instant, tout Coton Sport. Coton qui fait le ballon. C'est un peu.
faudrait aller dans les recherches pour pouvoir terminer ce que j'entends. Vous savez, bon, ils ont gagné le bon. Wapa. Barely 6 minutes to go. It is still 2 for Avion and 2 for the boys of Cotton Sport. They have traveled more than 1,500 kilometers to be with us here. The boys of Avion, Emmanuel, is going to be a freaking advantage. Avion. Avion takes all the time in the world. What's going to happen? Free kick to be taken by Zoge. Zoge takes all the time in the world. He takes a long one up from there. Airborne duel. Lots of problem of communication between the boys of Tombe Benge. Tombe. Tombe. Osana, oh, the review was about to blow, and he has that one. He has not blow. Tombe, they call him Ribery, and the boys of Cotton Sport try to do their best to stop all the danger. Player of Avion lying on the floor. And the medical staff have been called for assistance. What is going to happen? The player is still on the floor. All the replacements have been done. The last replacement for them. Maybe he's the one that is going to come out. Who is going to go in? Shame number 12 for Avion. They call him Kamini Arman. Kamini Arman is going to, maybe he's the guy that is going to, Kamini Arman is going to go in to replace the guy that had the injury, set number 12. Set number 12 for that side of you. Kamini is going in. Kamini is going in to place the Frank Yobe. The boy, the big guy, the most dangerous guy, is still two ball each way. Avion du Cam 2, Cotton Sport 2. Certainement, nous courons vers un match initial à Saint-Denis Stadium. Un point pour les deux équipes, ça ne sera pas démérité. Les deux ont mérité 7 points. Et le match se joue encore. Il y a 3 minutes, si possible, quelques minutes d'arrêt de match. Revenons sur le stade. Nous voulons ensemble, nous voulons tous. Monsieur Kamini, Kamini Arman, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de temporiser. Nouvelle patron vient de marquer, oui. Oui, nous sommes sur le fin. À côté, pas pour les fins de 5 ans, le Cotton Sport. Cotton Sport, on va se faire. Second.
Nous avons quand même projeté un bon spectacle. Quatre buts dans cette rencontre, qui dira mieux. Tout le monde s'est mis à l'aise. Autant sport. Avion du camp, non? C'est Avion du camp qui continue. Un joueur couché, mais cependant le match se poursuit. Bouffon au profit de Coton Sport. Bouffon au profit de Coton Sport. Un joueur d'Avion du camp qui fait pas de douleur. Un joueur d'Avion du camp qui fait pas de douleur. Plus de peur que de mal. Il se relève. Il se relève. On lui suit. Cherchez un partenaire bien parqué. Il nous met cette réponse pour obtenir une mise en jeu. Une mise en jeu au profit de l'autant fort. Et Tabara. Un coupeur extrêmement dangereux. Nous jouons la 48e minute de cette rencontre. Nous sommes dans les arrêts de match. Il faut faire très attention. Au dernier moment. Le match est momentanément arrêté. Nous jouons les derniers instants de cette rencontre. Le temps additionnel est épuisé. Une fois de plus, vous êtes sur la radio numéro 1 de Limbeck, Kawan TV. Attention au dessus de la vague transversale. Autant de, Avion du camp 2. Il faut signaler que demain samedi, c'est Bamboutos. Contre Yakou, à Saint-Denis Stadium, en Guinée, le duel 100% littoral entre Union de Douala et New Stade de Douala. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match ici au stade Saint-Denis Stadium de Limbé, Coton Sport 2, Avion du camp de Aboubakar. All is well that ends well. It was a pleasure. It was a good moment having this encounter here. Ladies and gentlemen, believe me that everything is going to be okay. Believe me that we are going to have a wonderful season this year. And we say thanks to the supporters that have come all the way
from the four corners of Southwest Region to support football, to encourage football. Ladies and gentlemen, it was a pleasure being with you. Taking the rendezvous on Saturday for Bambuto's Yafu. Over to you. Thank you.